Au jeune temps où les souvenirs étoquent viennent s'écrire comme dans une cire d'époque. Des chemins mystérieux, des recoins fabuleux, des cachettes abandonnées, des saveurs oubliées, tellement d'étranges curiosités à aller explorer, ne sont maintenant que des souvenirs presque oubliés, à dépoussiérer des châteaux hantés qu'il faut sans tarder aller revisiter. Chaque souvenir est comme une porte, et l'on sait bien qu'il y en a de toutes sortes, des fous rires et des larmes pleines de détresse, de la joie et de la tristesse. Mais personne ne peut dire ce qu'il va bien pouvoir sortir, ce qu'il va advenir, en ouvrant ses boîtes pleines de souvenirs, presque effacés, à réexplorer, pour tenter de comprendre ce qui longtemps après a bien pu arriver. Je vais replonger dans les ondes vives de ce mystère tellement intrigant, tenter de répondre à toutes les questions et passer peut-être à côté de la solution. Alors je préfère aller me poser au bord de la rive et regarder couler les merveilles des temps, en n'oubliant pas que le présent est fait de passé. Le passé simple fut pour toujours décomposé, le futur antérieur aurait pu arriver, le plus que parfait n'avait jamais eu d'existence, alors il ne me reste plus que le présent comme fontaine de jouvence.